rangeant les marchandises dans les diverses zones qui leur sont attribuées. Et nous faisons monter la marchandise pour la production. Alors là, soit on les donne directement en production, soit on les met dans un frigo. Et après, c'est en fonction de leur organisation, ils prennent les produits. Quand le produit arrive, avec les chefs de cuisine, demain, on lui signale que c'est arrivé. Demain. Nous travaillons des produits frais, notamment pour les entrées, pour les crudités. Nous travaillons des viandes fraîches aussi, et puis des surgelés pour ce qui est des poissons et un certain nombre de légumes. Nous produisons actuellement environ 4600 repas pour les écoles, environ 500 repas pour les crèches, et nous produisions également quelques repas quotidiennement pour un foyer de personnes âgées. Ce qui est vraiment important, je crois, c'est de bien considérer que tous les nutriments dont les enfants ont besoin pour avoir une croissance harmonieuse sont dans les repas qu'on leur sert régulièrement tous les jours. Donc avoir un équilibre global qui s'établit dans le temps et qui va leur assurer une bonne croissance, les préserver des maladies plus tard. Mais aussi, et ça on peut pas y faire abstraction parce que sinon je pense qu'on a des repas d'hôpitaux et on n'a pas des repas d'école, cette dimension plaisir de manger avec cet aspect gourmandise qui me paraît absolument capital aussi à respecter. Aujourd'hui, nos consommateurs sont d'âges différents, donc leurs besoins sont différents. On doit donc travailler sur des textures, des goûts, une quantité qui correspond bien aux attentes de chacun, qui fait une partie de la complexité des menus à réaliser chaque jour. Pour chaque production, chaque plat qui est fabriqué, nous effectuons des prélèvements nous-mêmes, des plats témoins que nous gardons pendant une semaine, de façon à ce que s'il y a le moindre incident, quelque part nous puissions retracer tout l'historique de fabrication et donc faire un examen, une analyse bactériologique supplémentaire. S'il y a un problème sur une école, je sais pas, un enfant malade, ben ils viennent, ils récupèrent un plat. Ils font des examens dessus. Là, je suis obligé d'attendre que ça descende au moins à 65 degrés. En tant que restauration de collectivité, nous sommes tenus de respecter un certain nombre de règles d'hygiène. Nous faisons intervenir de façon régulière, c'est-à-dire mensuelle, chaque mois, une société qui vient effectuer des prélèvements sur du matériel que nous utilisons. Ces mesures d'hygiène donc, sont des mesures préventives, ce sont des normes européennes, ce sont des normes d'hygiène corporelle. Nos fournisseurs doivent respecter aussi ces normes d'hygiène. Ce sont des normes concernant les locaux, donc nettoyage des locaux, bon entretien des locaux, des normes d'hygiène qui concernent des contrôles à réception. Donc là aujourd'hui, donc là nous avons réceptionné de la cuisse de pintade, du sauté de pintade, vérifie tout ce qui est étiquetage, provenance de la viande avec le numéro d'abattoir, DLC, identification du produit et le numéro de lot. Le numéro de lot nous sert à identifier la marchandise si par la suite, dans 15 jours ou 3 semaines, on a un souci sur un lot suite à une alerte sanitaire.
veille du jour de la consommation. Nous les refroidissons immédiatement. Les repas sont ensuite livrés sur les écoles et les crèches de la ville le jour de la consommation et sont remis en température sur site, sur les sites de consommation.